La Norvège expulse 55 demandeurs d'asile vers la Russie au grand dam du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Oslo a rejeté hier leurs demandes et les a renvoyés vers un pays dont la politique d'asile est extrêmement controversée. Les Nations Unies mettent en garde le pays scandinave qui risque de ne pas respecter la Convention onusienne sur les réfugiés. Pourquoi la Russie? Pourquoi, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une réponse. Pourquoi la Russie? S'interroge cette Syrienne. On n'a pas d'argent, nulle part où aller. Une fois que l'on aura traversé la frontière, personne ne nous aidera, ajoute ce Jordanien. Ces migrants étaient entrés en Norvège depuis la ville de Nikel en Russie pour arriver au camp de réfugiés de Kirkenes, en Norvège. Ils avaient opté pour la route de l'Arctique, moins chère et moins dangereuse que la traversée de la Méditerranée. Une route dont les derniers kilomètres sont parcourus à vélo, malgré les moins de 30 degrés qu'affiche aujourd'hui encore le thermomètre.